Connaître la chanson du début, c'est la chanson Natchela Omotema de Moïse Matuta. J'aimerais partager avec vous l'interprétation de cette chanson et puis avec un petit bonus. Pour cette chanson, vous avez besoin d'une guitare acoustique et de vos deux mains. Bon, vous pouvez la faire au médiator, mais c'est pas pareil. Et en option, vous pouvez utiliser vos ongles. Bon, je sais, ça fait pas très masculin, mais c'est un truc de guitariste. Donc, on y va avec quelques petits commentaires au passage. Katela yo motema na zwa eloko opesanga na moyi obutu bimelangai obongiselanga yo motile bebisae ozongiselanga ya motu ya na bungisae ya yanangai gratter une fois la corde côté droit. Après. Donc. Quand vous reprenez la chanson des gens, il faut respecter la musique, le tempo, la manière dont il a joué. C'est très important pour l'exercice. D'ailleurs, si on veut progresser, il faut d'abord se forcer à jouer dans le même doigté que l'interprète. Exercer son oreille pour jouer la même chose et le faire sonner exactement pareil. Première chose. Après, s'exercer pour que le feeling du compositeur, on puisse se l'imprégner. Et donc, en bonus, après avoir maîtrisé la chanson, il faut développer. S'approprier la chanson comme si elle était à nous-mêmes.
tout en respectant les droits d'auteur. Et ça consiste à faire des variantes, à rajouter des phrases, un peu de mélodie, de mélancolie, toujours selon ton ressenti. C'est plus la même chanson, hein. C'est carrément autre chose. Je vous montre pas tous les dribbles qui sont possibles, il y en a une infinité. Donc ça c'est juste une manière de s'approprier la chanson pour mettre un petit peu plus de piment, pour y mettre des variantes et éventuellement composer une seconde chanson à partir de la première. D'ailleurs c'est un secret, il y a beaucoup de compositeurs qui composent à partir d'une chanson, ils vont carrément dans un autre délire et ils modifient la chanson et ça donne quelque chose de nouveau. Sauf que le risque, c'est de beaucoup ressembler à la première. Bref, ça se discute. Allez, ciao les musiciens.